remember. Going through the letters that I send her. Il est difficile de choisir un nouveau PC portable. PC ou Mac, processeur, consommation, batterie, finition, RAM, carte graphique dédiée ou non. Autant de paramètres qui peuvent vite rendre la recherche fastidieuse, sans jamais avoir la certitude d'avoir fait le bon choix. Pour s'y retrouver, je vous propose une sélection des meilleurs PC portables du moment. Le XPS 13 QV2018 détient toujours le titre du PC 13,3 pouces le plus petit du monde et son design particulièrement bien pensé le rend très confortable à utiliser avec notamment un refroidissement interne amélioré et une finition blanche du plus bel effet. Ce nouveau XPS 13 conserve ses atouts. Un écran quasi bord à bord, un excellent clavier et les nouvelles puces Intel de 8ème génération délivrant un gain dans les performances et une autonomie prolongée. L'XPS 13 est l'ultra portable de référence depuis ces 3 dernières années. De ce nouveau design encore aminci ne fait que faciliter notre recommandation. À ce niveau de prix, il est toujours aussi difficile de trouver mieux. C'est discount, 1249,99€. Rakuten Prince Minister, 1299,99€. Rue du Commerce, 1299,99€. Amazon Market Palace, 1380,70€. Fnac Market Place, 1390,59€. LDLC, 1399,95€. Le ZenBook 13 se montre à la hauteur de son rang de PC portable haut de gamme chez Asus. La machine est séduisante, bien finie et elle offre de bonnes performances pour un rapport qualité-prix très correct. Il y aurait quelques points à améliorer, mais dans l'ensemble, c'est une option à considérer pour ceux qui veulent une machine sexy pour les études ou le travail et qui offre en prime des bonnes performances graphiques pour jouer. Dans la gamme Surface de Microsoft, on trouve aussi un ordinateur traditionnel. Différent des Surface Pro et Surface Book, son écran est solidaire du clavier. Il n'en reste pas moins un choix intéressant pour ceux qui ne souhaitent pas passer sur les autres ordinateurs hybrides. Il est original car livré avec Windows 10 S, une version volontaire bridée de Windows 10. Mais avec la possibilité de passer à tout moment sur une version classique, la version de base propose un tarif assez accessible et des déclinations plus coûteuses sont disponibles. Amazon, 1149,99€. C'est discount, 1259,99€. Rue du Commerce, 1299,99€. Fnac Market Place, 1390,98€. Huawei est plus connu pour ses smartphones que ses ordinateurs, mais avec le MacBook X Pro, la marque pourrait également se faire un nom dans le monde du PC. Le PC haut de gamme de Huawei n'a pas grand-chose à évier à ses concurrents bien installés, comme le XPS 13. Entre dalle 14 pouces, CPU Intel Core i5 ou i7, 8 Go de RAM, GPU Nvidia dédié MX150. Et 256 de SSD pour commencer. La configuration est solide, en plus d'être placée dans un bien joli écran, on lui reprochera toutefois quelques éléments ergonomiques comme le placement de sa caméra, dissimulée sous une touche du clavier. Une fausse bonne idée. Amazon 1402,89€. C'est discount, 1359,99€. Rakuten Prince Minister, 1486,66€. Rue du Commerce, 1599,99€. Fnac Marketplace, 1711,97€. Le tout dernier 2 en 1 XPS 15 de Dell est le plus petit et le plus fin des PC portables convertibles 15,6 pouces.
C'est aussi l'un des tout premiers systèmes à combiner un processeur Intel et une puce graphique AMD Radeon RX Vega 870, qui offre des performances graphiques tout à fait décentes pour un PC hybride aussi fin. Mister God Deal de 1199,99€ LDLC. 2299,95€ Matériel.net 2299,95€ Fnac 2299,99€ Cdiscount 2299,99€ Darty 2649€ Le nouveau MacBook Pro 15 pouces apporte la puissance que les utilisateurs exigeants et les créatifs attendaient. La liste des améliorations de la fiche technique des nouveaux MacBook 13 et 15 pouces avec touche bar est impressionnante. Processeur Intel Core i2, 8e génération. Plus d'options de stockage et de mémoire vive. Technologie d'affichage adaptif TrueTone. Amazon 1799€. Fnac 1799,99€. Boulanger 1899€. Darty 1899,99€. Matériel.net 1989,95€. LDLC 1989,95€. Avec son écran 17 pouces, l'Helios 500 d'Acer intègre d'excellents composants sans faire exploser le budget, mais n'offre que peu de surprises. Rue du Commerce, 1849,99€. Rakuten Prince Minister, 1849,99€. Fnac Marketplace, 1979,49€. Amazon Marketplace, 2444,15€. Sur le marché des PC portables de gaming, en entrée de gamme, le Legion Y530 de Lenovo offre l'un des meilleurs compromis performance design du moment. Amazon, 844,99€. Cdiscount, 844,99€. Mister Goodil, 899,95€. Fnac Marketplace, 938,38€. Fnac, 1092,52€. Darty, 1099€. En se rapprochant en taille et en prix de l'iPad, la Surface Go est la pièce manquante du Pulse. Reste à voir si, à la lumière de notre essai, elle est à même de répondre aux besoins des étudiants et professionnels nomades comparés à des PC portables de prix équivalent. La Surface Go sera disponible à partir du 2 août en version Wi-Fi dans un premier temps. Fnac Marketplace 418,01€. Boulanger 448,50€. Amazon 448,50€, Auchan 449€, Rue du Commerce 449€, Fnac 449,99€. Que vaut ce PC portable d'une marque peu connue en France avec un nom qui rappelle le produit concurrent d'une autre marque prestigieuse? Si des progrès restent à faire, l'appareil est loin de décevoir. Amazon Marketplace 399€. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous laisse liker, commenter cette vidéo. Et si vous avez des top 10 à me proposer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine !